matières, il convient de moins étudier la topographie de la Palestine que d'attacher son esprit à la symbolique des Écritures. Il fallait que Jésus alla à Jérusalem pour consommer son sacrifice en lequel nous sommes sauvés. Mais il fallait qu'il y alla en ayant rassemblé sur lui-même tout ce qui pouvait composer la lèpre de l'humanité, que ce soit l'éloignement de l'observance et de la pratique, comme on le voyait en Galilée, ce carrefour des nations, où les civilisations et les usages se confondent dans un relatif extrême, que ce soit par la foi défigurée par l'hérésie, comme on la connaissait alors en Samarie. Jésus passa par là, et même par la Décapole, qui n'était plus un pays de la promesse, pour bien nous signifier qu'il rassemblait sur lui-même toute la lèpre des hommes, tout le poids du péché. Ainsi faisait-il son pèlerinage vers Jérusalem. Les lépreux, dont il ne faut pas être clair en théologie, pour savoir qu'ils représentent simplement les hommes pécheurs dans une sorte d'universalité, c'est pour cela qu'ils subissent, font précisément le chemin inverse. Jésus va vers Jérusalem, eux vont dans le sens contraire. Nous avions vu dimanche dernier dans la parabole du bon samaritain que l'homme tombé aux mains des bandits descendait de Jérusalem à Jéricho. Eh bien, nous sommes dans le même ordre de pensée. Ces pécheurs, l'humanité pécheresse, s'éloigne de Dieu, fait le chemin inverse de l'humanité. De la divinité, je dis, se recherchant elle-même dans sa propre humanité. Et voilà que Jésus semblerait n'avoir fait ce détour géographique que pour rencontrer l'humanité. C'est-à-dire que pour opérer la guérison de la lèpre, que pour opérer la guérison. Et il est vrai qu'il n'y a pas d'autre raison à l'incarnation que le Christ qui prend sur lui les péchés du monde et qui les expie dans cette église de la croix. Le rapport de cette opération dans le passage que nous voulons lire est faible, très faible. Sur les 10 purifiés, un seul revint. Et pour quelle raison? Il me semble qu'il nous faudrait ici voir trois niveaux de la foi. Ces gens, irrémédiablement frappés, qui ne peuvent être guéris par personne sauf par Dieu lui-même, s'en vont dans la recherche d'eux-mêmes pour eux-mêmes. Autrement dit, ils s'en vont immanquablement vers le néant. Et Jésus les rejoint juste là,
ce moment où il n'y a plus d'espérance, ce moment où tout semble inutile parce que tout est perdu. Jésus est rejoint et éveille en nous-mêmes quelque chose qui ressemble à une possibilité en dépit de l'impossible. Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Ah, Jésus Dieu, Jésus Maître, pas même Jésus sanctifié d'une manière particulière. C'est comme le cri désespéré au-delà du raisonnable. C'est une sorte de foi primée d'insuffisance, mais qui est un cri et qui est un appel. Et c'est sans doute bien le premier élément nécessaire à la guérison de l'âme. Un appel. Je ne sais pas l'étendue de ma misère, mais je me sais misérable. Et si cela était possible, Maître, au regard de ce que tu enseignes, au regard de ce que tu proclames, ayez pitié. Ayez pitié de nous, de nos pécheurs. Et Jésus les arrache à cet élément terriblement humain et horizontal et les renvoie dans le domaine religieux. Allez, je vous dis à vous. Ne croyez pas, chrétien, qu'il y a là, je ne sais quoi, de prémonitoire de la profession. Dépit que nous sommes malheureusement à Ars, je ne le crois pas. Il y a simplement qu'on les introduit dans l'univers religieux, dont les prêtres du temple sont l'annonce, la figuration, mais en tout cas pas la réalité. Il y a une bien grande différence, nous pourrions le souligner, entre les prêtres du Vieux Testament et les prêtres de la Nouvelle Alliance. La différence essentielle tient en cela que le prêtre de la Nouvelle Alliance se donne lui-même dans le sacrifice du Christ pour le salut du monde, le prêtre de l'Ancienne Alliance ne pouvant que manifester que ce salut viendra, ne pouvant que l'annoncer et le figurer. Bref, si je puis dire, Jésus les renvoie à l'univers religieux. Et c'est précisément lorsque, rebroussant chemin, c'est-à-dire changeant leurs habitudes mauvaises, reprenant le droit chemin, ils vont vers Jérusalem. Et c'est ce chemin-là qui leur amène la guérison. La guérison de ce qui est visible. Mais pointe encore la guérison de ce qui est le véritable. Que de lépreux, que de malades, que de pécheurs se contenteraient de cela. Mais ce n'est pas encore cela. Un seul sur les 10 a réellement la foi. Celui qui revient. Celui qui revient en glorifiant Dieu à pleine voix. Celui qui tombe la face contre terre aux pieds de Jésus. Celui qui embrasse, donc, celui qui est uni avec Jésus. Les autres, en dépit de la guérison imparfaite qu'ils ont obtenue, sont différents de Jésus. Celui-là, entre dans un chemin bien plus grand, bien plus fort, le seul chemin qui nous paraît partager
pour autant que cela lui soit possible, la pensée, la volonté et l'action de Jésus. Et voilà, chrétien, où vous êtes. Car enfin, vous venez de faire un bref pèlerinage. Méritoire, mais bref. Pourquoi faire? Pour être guéri de votre péché, sans doute, nous en avons toujours besoin, et souvent deux fois, nous revenons au pied du Seigneur pour invoquer sa miséricorde et être relevé par la grâce de l'absolution. Mais c'est un moyen. Et voulez-vous vous arrêter à ce moyen? Seriez-vous assez chrétien si vous vous contentiez seulement d'une absolution? Qu'est-ce qu'un chrétien? Celui qui n'a plus de péché. Ou bien celui qui, pour autant qu'il lui est possible, est en communion avec Christ. Et voilà bien ce à quoi nous sommes appelés par vocation. Que notre pensée soit de plus en plus la pensée de Jésus. Que notre volonté soit de mieux en mieux la volonté de Jésus. Que nous recevions toujours davantage la grâce de Jésus afin de lui être jusqu'à être par lui, avec lui et en lui par l'opération du Saint-Esprit à la gloire de Dieu au Père et au Fils. Et voilà le mystère. Voilà ce à quoi nous introduit aujourd'hui l'évangile que nous venons d'entendre. Il ne s'agit pas seulement de gratitude et d'ingratitude. Il ne s'agit pas seulement de reconnaissance ou de non-reconnaissance. Il s'agit de plus que cela. Il s'agit de communion. Les autres ont été purifiés. Mais ce n'est que la moitié. Les autres, vous pouvez en dire beaucoup de mal, mais vous ne savez rien. Qui vous dit qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout? Qui vous dit qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus leur a dit de faire? Ils n'ont désobéi en n'en tenant au texte, en aucune façon. Ils se sont contentés d'être libéré du péché. L'autre ne s'en est pas. L'autre a voulu plus que cela, s'est abandonné à plus que cela, est allé jusqu'au chemin de la communion, est allé jusqu'au. Voilà, chrétien, ce que je veux croire. Et lorsque vous priez instamment le Seigneur de vous donner des prêtres, c'est cela que vous attendez dans sa sacerdoce. Que serait un sacerdoce qui ne me ferait pas participer à l'œuvre de Christ en m'offrant moi-même pour ce qui dépend de moi dans le sacrifice de Christ? Que serait la messe où chacun de nous n'apporterait pas le bien qu'il a fait, les mots dont il souffre, toutes sortes de bonnes pensées, de bonnes paroles, de bonnes actions, de résolutions, de pratiques, d'observances, que sais-je, tout ce qui fait notre être chrétien, pour les offrir dans le sacrifice, pour que cela brille par le Christ, saisi par le Christ, participe à l'œuvre de celle. Car c'est bien cela dont il s'agit. Il s'agit de sauver les âmes.
Que faites-vous, chrétien? Et à quoi pouvez-vous bien servir? Chacun en particulier et tous ensemble dans l'Église, sinon à sauver les âmes. Que je veuille être sauvé me paraît assez vrai. Que je fasse en sorte de l'être, de le rester, me paraît assez normal. Mais en cela, je ne suis pas différent des autres religions. Il m'appartient d'être le dixième, celui qui sait ce qu'il reçoit de Dieu, celui qui sait, pour autant que ce soit possible à l'homme, le prix de la grâce, celui qui sait prendre la dimension de l'adoption que Dieu a fait de lui-même dans le Christ et qui ne veut désormais travailler qu'à n'avoir d'autres pensées que la pensée de lui, d'autres volontés que la volonté de Jésus et de ne recevoir la grâce que pour participer à la seule action de Jésus et le salut des âmes. Alors, si nous voulons cela et si nous demandons que le sacerdoce nous aide à cette réalité, oui, nous pourrons continuer à avancer avec le Christ. Nous quitterons l'attrait pour les choses du monde afin d'aller vers les choses du ciel, non sans passer par la passion et par la croix, jusqu'à la croix de la résurrection, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.